une maison à Santa Barbara, une petite fille américaine, la vie du prince Harry n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était. Mais si le duc britannique semble très bien s'acclimater à la vie sur le continent américain, il est bien décidé à ne pas rompre avec ses racines, et surtout avec sa famille. Selon une information du Weekly, le prince aurait récemment organisé une visioconférence Zoom pour permettre à ses enfants, Archie et Lilibet, de faire la connaissance de leur cousin. Harry et Meghan font tout ce qu'ils peuvent pour rendre le monde meilleur et trouvent qu'il serait mal de priver leurs enfants de l'opportunité de connaître leur cousin, a confié un proche des Sussex à US Weekly. Si est-il difficile en raison de la distance, donc Harry a gentiment organisé une conférence Zoom avec le prince William pour que les cousins puissent se rencontrer. Ainsi, Archie et Lilibet ont pu discuter avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, tissant des liens en dépit de la distance et des rapports conflictuels qu'entretiennent leurs parents depuis le départ des Sussex, en mars 2020. Le prince Harry privé de retour au Royaume-Uni et le prince Harry a bien l'intention d'entretenir ses liens. Toujours selon US Weekly, le second fils de Lady Di aurait récemment exprimé son désir de rentrer au Royaume-Uni pour rendre visite à ses proches, notamment à la reine Elisabeth II. Malheureusement, il lui a été indiqué qu'en raison de sa rupture avec la famille royale britannique, lui et sa famille ne pouvaient plus bénéficier des services de protection financés par le contribuable. Harry veut rentrer au Royaume-Uni avec Meghan, Archie et Lilibet pour voir la reine, mais ça n'arrivera que si le gouvernement prend les mesures appropriées pour protéger sa famille. Il refuse de les mettre en danger. Leur sécurité passe avant tout le reste, a indiqué une source. Pour parer à cette difficulté, le prince Harry a récemment engagé une procédure judiciaire pour pouvoir à nouveau bénéficier d'une protection policière lors de ses visites au Royaume-Uni. En attendant, les enfants de Sussex et de Cambridge vont devoir se contenter de Zoom.